Hop, je vous fais le massage avec mon zizi, regardez. Ah oui, qu'est-ce que c'est, Ragoutin? Toi, c'est la dernière fois que tu me mords, je te le dis. Non, mais ça sert à rien de me regarder comme ça, tu vas finir en sushi, je rigole même pas. Tu vas finir en sushi, tu le sais, ça. Oh, tu putain. Sais, ça, le yinch. Un ça sushi. Va, mon capitaine? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ouais, c'est l'autre con de Grimaldi, là, qui vous a pris par derrière pendant que vous étiez au téléphone. Ah bah, comme d'habitude, hein. Ça, il peut pas gagner des combats. Ah bah, il a dû partir, ce bâtard, en plus. Hein. Non, il est derrière vous, là, ouais. Il vous écoute. Oui, il s'est fait bouffer par le chien, je lui en ai mis une, mon capitaine, il a volé à 10 mètres. Hein. Bien, mon chien. Non, moi, c'est Cuc, mon capitaine. Ouais, c'est le chien, quoi. Le chien. Lieutenant, fin de service. Bien reçu, lieutenant. Bonne soirée. Oh, moi je vais. Messieurs. Je sais pas. Oh bah tiens, le capitaine, ça va? Ouais. C'est lequel de vous deux qui conduisait, dites-moi? Dites donc, vous m'avez tasé, vous, tout à l'heure. Je croyais qu'on était amis. On est amis, mais c'est pour ça que vous avez pas mis une amende. Là, vous avez vu comment vous conduisez comme un trou, là? Ouais. Je conduis pas comme un trou, j'ai écrasé personne. Mais non, vous roulez à 200 à l'heure, là. Ça a coupé. Ah bon? Ah oui, c'est pas vous. Qui conduisait cette moto, là? Moi, il était habillé comment? Non, foutez de ma gueule. Qui conduisait cette moto? Je vous ai vu rentrer dedans, foutez de ma gueule. Mais quelle moto? Nous, en voiture? Ah, vous êtes en voiture? Ah, ok, pas de soucis, alors. Non, attendez. Par contre, cette moto, je voulais l'essayer. Non, mais pas de soucis. Attendez. Non, ça suffit. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, je vais la mettre en fourrière, monsieur. Ah, non, c'est ma moto. Qu'est-ce que vous faites? Ah, bah alors, c'est votre moto, maintenant? Bah, non, mais attendez, je regarde. Je regarde si elle fonctionne. C'est votre moto ou pas votre moto? Faudrait savoir. Je vais voir si elle fonctionne un peu, là, regarde. Vite. Oui. Et alors, on se traîne? Non, moi, contrairement à vous, j'ai des gens à gérer, moi, dans cette ville. Ah là, vous allez aussi vite qu'une vieille pigotte qui va à l'office du dimanche. Faites le mal... Oui, dites-moi... Oui, tu vois qui c'est, Miguel? Oui. C'est que Miguel, il est amoureux. Oui. D'accord. Là, il a un rendez-vous galant. Ok. Sur le champ d'extasie. Ok. Donc, c'est pour l'amour, d'accord? Okay. Si tu peux les attraper et les mettre en prison. Ok. Comme ça, ils passent plus de temps tous les deux. Ok, on va faire ça. Vous êtes vraiment bizarre, vous, chez les vagos. Mais pas plus de temps fédéral. Vous êtes vraiment très bizarre. Hein. Oui, bon, j'ai une information. Nous avons deux personnes sur une récolte d'extasie. On va devoir y aller. On les encercle et on les enferme. Vous partez en duo et trio, d'accord? On laisse tomber, on fait la flica. J'en veux un qui fait côté est et un côté ouest. Ici le LSPD, je répète, ici le LSPD, vous êtes cerné. On vous envoie un négociateur, ne lui tirez pas dessus. Bon, qui se sent chaud à faire le négociateur? Allez-y, officier chien. Nous vous avons envoyé le chien, c'est notre officier. Il ne répond que par oui, pardon. Oui, c'est... C'est l'aboiement une fois et le non c'est aboiement deux fois. Allô? Si capitaine, comment ça? C'est Miguel. Non bah ça se passe mal hein, y'a une flic à faire, les bonnes soirées. Alors raconte-moi, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent de l'argent? Est-ce qu'ils veulent partir? Est-ce qu'ils vont libérer l'otage? Est-ce qu'ils partent sans l'otage? Est-ce qu'ils veulent qu'on les fasse partir juste après l'otage? Ok, parfait. Nous avons compris vos revendications. Dès que le médecin s'en va, on vous laisse partir, vous laissez l'otage. Préparez-vous à prendre les voitures, ça va être course-poursuite. Attention les herses. Enlevez les herses, pourquoi qu'on les ait. Ah, je les enlève? Ok. On les laisse partir. Dès que les deux otages sont clean, on y va, ok? On laisse 10 mètres. On ne tire pas sur eux. Ok. Poursuivez-les sans les piter, c'est maintenant. Poursuivez-les sans les piter, go go! Mon petit chien, t'as été très bon, très bon négociateur, t'es bien mon petit chien. Allez, on va les poursuivre. Bon, vous avez besoin de quelque chose, monsieur? Non, ça va parfaitement bien, merci. Ok, bah pas de soucis, bah bonne soirée à vous, merci à vous. À vous aussi, au revoir. Je suis mort que c'est pas assez clairem avec le chien. Bon, officier Le Yinch, j'ai l'honneur de vous monter en grade. On les amène au poste, capitaine. A tout de suite, je vous monte en tant que sergent. À toutes les unités, nous vient de promouvoir l'officier Le Yinch à sergent Le Yinch. Félicitations Le Yinch. Félicitations. Bravo les chiens. C'est mérité. Félicitations. Dommage, regarde le plat. Très dommage, ouais. Allô? Capitaine, il y a une fusillade. Où?
J'ai promis à Kim qui au Castello de Tantero. Encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Soupe à moi. Moi, j'étais le Ozzy, mais vite fait, pas beaucoup. J'étais pour sauver Monsieur Yoni. J'arrive. Si. LSPD, LSPD, les mains en l'air, les mains en l'air, vous êtes cernés. Tous les mains en l'air ou on vous tire dessus. Les mains en l'air, tous. Mais... C'est les mains peut-être. Ils sont où? J'ai des crampes. Ils sont partis, ils ont pris la voiture et ils se sont barrés. Appelez le médecin, monsieur Gondran n'est pas bien. Nous avons une personne au sol, au vigneron. Mais c'est bon, vous pouvez baisser les bras. Qu'est-ce qui s'est passé, racontez-moi. Moi je n'ai rien vu. En fait, pareil. Je vous explique juste ce que je sais moi en tout cas. C'est Donatien de Montazac hein, pour info. Et vous êtes sur ma propriété. Tout le monde est sur... Je ne sais pas pourquoi ça se passe chez moi. Monsieur Gontran et Monsieur Johnny viennent pour faire affaire avec moi. Nous discutons dans les vignes. Je croise Madame Dwight juste ici. Oui, effectivement. Cette personne juste là. Elle est brasseur, du coup elle veut goûter à mon vin. Nous rentrons à l'intérieur. Gontran et Johnny restent à l'extérieur pour discuter. Je reviens. Bon, Gontran est au sol. Johnny a disparu. Et il y a des gangsters des rues partout sur mon territoire. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Moi, il était en rendez-vous, gars. Il est mon 31. Il était en rendez-vous avec mademoiselle. Et la personne, là, Johnny, il est plus là? Johnny, je sais pas. Non, il est parti par là. Il est coursé. Suivez-moi. Pas là-bas. Mais c'est pas possible, ça s'est passé en 5 minutes. Mais on était en train de discuter prix et 20. Et en 5 minutes, quelqu'un est mort et quelqu'un est parti disparu. Mais pourquoi il y a un chez moi maintenant? Mais oh, qu'est-ce que vous faites là? Comment ça, Johnny, t'as dit que... Je voulais pas de Johnny, c'est moi, monsieur. Ah, mais Antoine, mais pourquoi t'es venu en... Et putain... Oh, oh. Yoni, là. Non. Oh, Yoni. Oh, Yoni. J'ai les deux. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un malade. Arrêtez. Cinq sangliers. Oh là là, vous êtes malade. Venez vite, les deux sont là. Mais arrêtez de tirer sur mes sangliers. Non. J'ai encore fait, dès qu'il y a un problème, vous êtes tous les trois dedans. Antoine, tu ne supportes pas la vue du sang, debout, sinon je te licencie. Oui, je me lève. Si tu ne te lèves pas, je te licencie, je compte jusqu'à 5. C'est fait. Si, c'est pour ça qu'il fait capoter l'histoire, mais il avait mon occupé, c'est tout. D'accord. Si, il doit bien. Capitaine, vous recevez. Et toi, hermano, ça va? Si. Oui, je vous reçois. D'accord, il va trouver une solution. Venez au mignon, si vous êtes fait. Il faut qu'ils interviennent et qu'ils fassent bonne figure. Pour que comme ça, il peut les infiltrer. Tu comprends? Au max. Il t'est sauvé encore. Il sait. Et un petit port. Johnny, Gontran, mais que s'est-il passé? Bah, il y a deux mecs casqués avec des voix graves qui m'ont tiré dessus et voilà. Bah, vous avez rien vu, vous? Moi, je sais pas, moi j'étais là-bas, dans le coin. Deux mecs casqués là. Qui sont venus. Ok, Jean et Pénis, Pénis, on va au pénitentiaire. C'est pas possible d'être aussi con! Allô. Allô, mon capitaine. Y'a des peines, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ouais, tout va bien. En fait, c'est juste que y'a un des cadets qui m'a mis dans la prison. Du coup, j'ai perdu tout mon équipement. Et là, j'ai dû racheter un téléphone et faut que je cherche une radio. Mais sinon, pas de brouille sur le chemin du commissariat. Pardon? Bah, vous avez bien compris, mon capitaine. Y'a un des cadets qui a réussi à me foutre en prison par erreur. Combien de temps il vous a mis? Et ensuite. Il m'a mis une minute et après il est venu me chercher pour me sortir, mais du coup on m'a confisqué toutes mes affaires et là je suis en train de me rééquiper quoi. Ah ok, normalement dans les trucs il y a tout. Ok, vous êtes avec le stagiaire aussi, non? Ouais, le stagiaire et l'ancien stagiaire, oui. Bon bah ça arrive, maintenant vous savez que quand vous mettez une peine il faut s'éloigner. Ouais, tout à fait. Allez. Non, laissez-moi. Venez ici là, venez vite. Je peux y retourner. Allez, vous m'avez entendu? Allez, montez. Excusez-moi. Allez, on y va. Courage, capitaine. Et on ira se flaguer ensemble la semaine prochaine. Ok, voilà. Avec plaisir. Oui, j'adore la vie. J'ai le deuxième évadé, je le ramène. Et vous savez où est l'ombre Xenos par hasard? Ah oui, bah il est libre là. Il est où? Il est libre. Libre. Ouais. Et moi, je suis libre aussi. Bah non, vous êtes toujours habillé en prisonnier, vous n'êtes pas encore libre. Libérez-moi. Bien sûr, je vais vous libérer, bien sûr. Bah tenez. C'est bon? Allez, sortez là. Vous libérez? Ouais, libérez-vous là, je vous libère. Merci beaucoup. Merci, monsieur Captain Tilidoy. Qu'est-ce que vous faites? Oh, pardon, vous m'y. Oh, mais ça va pas, vous êtes malade. Allez,
Je vous libère bien, maintenant revenez dans le véhicule là. Mais amenez-moi à l'empereur Xenos, au fils Xenos. Oui bien sûr. Il me cherche. Et autre chose aussi, vous n'avez pas s'emballé un Mars aussi? Non, et un téléphone, vous n'auriez pas un téléphone aussi, quoi d'autre encore? Donnez-moi, dites-moi. Qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre? Des mallettes. Des mallettes, oui, ok, quoi d'autre encore? On empruntait avec mon ami Xenos. Et notre collaborateur Curtis s'est mis à chialer quand la police est arrivée. Rien à faire. Donc si vous pourriez me libérer pour que je puisse... Où est-il? Il est là? Ouais, il est dedans, il est dedans, il est dedans. Il est dedans? Ouais. Très bien, je descends. Venez, je vous amène. Merci. Votre empereur, comment déjà? Non, ce n'est pas l'empereur, c'est le fils de l'empereur. Oui, le fils de l'empereur. Il vous attend, vous inquiétez pas. Et pourrais-je revoir un téléphone? C'est tout est à l'intérieur, vous inquiétez pas. Tout est à l'intérieur, parfait. Xenos, il m'appelle, je l'entends. Ouais, moi je le sens aussi. Non, vous ne pouvez pas le sentir. Ah si, ça sent vraiment la merde. Mettez-vous devant. Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée, monsieur. Merci à Captain Dildoising. Bill Boyd. Parfait. Si vous faites votre boulot qu'il vous demande, vous allez partir en même pas 5 minutes. Très bien. Mais comment ça, vous me remettez 45, j'étais à 12 seulement. Oh, quel dommage. Allez, bonne soirée. Non, arrêtez, monsieur Tiktoy. Je me rapproche à 3 km. Vu que vous êtes premier sur l'état, c'est vous qui gérez le truc. Vous mettez qui en négociation? C'est Jean qui va faire la négociation. Ok, c'est parfait, allez-y. Bon, tu penses qu'ils vont réussir comme nous? Ouais, moi non plus, mais bon. Des cadets, il faut qu'ils apprennent. Ils vont apprendre sur les erreurs. À toutes les unités, préparez-vous à être dans voiture, on va les suivre. Je suis sur place. Il faut le médecin, c'est Jean, il le relâche au bout de 200 mètres. Ok, parfait. On les suit de loin. Qu'est-ce que fout le médecin dedans, là? Il est rentré tout seul, on lui a dit de partir, il est rentré tout seul comme un... Ok, cool, donc ils ont deux otages, c'est bien. Exactement. Il y a un prisonnier qui va sur la voie. Non mais attendez, non mais top inter. Top inter. Allez, les mains en l'air là. Pour l'empereur Xenos. Prenez vos voitures. Prenez vos voitures. Ceinture, n'oubliez pas. Ils sont où? Ils sont dans le parking, non? Ils sont en train de monter à la grue. Ils ont sûrement un parachute. Les autres préparés en voiture, ils vont partir, ils vont sauter au parachute. Ok, la patrouille avec Jean s'occupe du parachute. Je suis en voiture, je m'apprête à les suivre. Ok, parfait, moi je monte. Ils vont côté sud. Transfert de fond. Cher ami, vous ne me quitterez pas, d'accord? On a dit qu'on allait se suicider ensemble. Vous ne partez pas sans moi, je vous l'interdis. Oh. Au niveau de l'autoroute, ceux qui mènent vers les Saint-Marche. Je suis dedans, au niveau de la partie autoroute, c'est reçu. Oh, il est mal partout, la vache. Mais oui. Que s'est-il passé, cher ami? Vous voyez la grue qui est devant nous, là? Je suis du côté de la sortie du fleuve, je sais pas s'il y a une autre sortie. J'ai essayé. Ils sont montés, ils ont sauté le parachute, moi j'ai sauté. Vous avez pas le parachute? Je vais pas retrouver bien. Ça arrive. Sacré chute, mon capitaine. Oh putain, j'ai mal partout. Vous êtes solide, hein? Oh, j'ai mal partout, là. Oh la vache. Heureusement que j'ai utilisé mes vêtements comme un petit parachute, mais ça n'a pas vraiment marché. Hein. Oui, capitaine. Cadet Jean, avec Sergent Le Yinche et le lieutenant qui se repose, nous avons décidé de vous faire promouvoir. Vous serez maintenant officier. Merci beaucoup, c'est un honneur. Pas de soucis, tout le plaisir est pour nous. Merci de votre confiance. Pas de problème, tenez. Nous avons le cadet Jean Neymar qui vient tout simplement d'être promu officier Jean Neymar. Ah, félicitations officier. Félicitations. Ouais, félicitations Jean. Allez, vous pouvez... Ouais, mais c'est bon, rompez là. Merci. C'est bon. Bonne nuit, je vais me coucher, je suis... Ouais, oubliez pas de mettre votre fusil à pompe. Bien sûr. Allez. À demain, capitaine. À demain. Bon, ça va vous deux? Ouais, ça va. C'est très bien, merci capitaine. Comment ça se passe de votre côté? Ça se passe très bien. Ça se passe bien, on a un bon binôme, on a en fait des petites arrestations et tout, c'est super. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la police, vous? Ça fait 3 jours. Ça va faire, 3-4 jours, ouais. Vous étiez stagiaire, non, avant? Ouais, il était avec moi, c'est chouette. Vous êtes revenu le lendemain. Ouais, hein. Bientôt officier si vous continuez à faire du bon boulot. Hein. J'espère, merci mon capitaine. À demain. Allô? Oui, bonsoir, capitaine, docteur Louvet à l'appareil. Oui,
Dites-moi. Je vous contacte parce qu'on a une patiente qu'on souhaitait ramener en psychologie qui s'est échappée. Ok, elle s'appelle comment? Alors c'est madame Lucie Hellman. Lucie Hellman, ok. Et on doit la retrouver pour l'amener, c'est ça? Alors si vous la retrouvez ou s'il est possible de faire un avis de recherche ou quelque chose comme ça, je sais pas du tout. Ça s'écrit comment? Alors Lucie, ça s'écrit comment, docteur Maison? L-U-C-Y. L-U-C-Y. Ok, et Hellman? Hellman, c'est H-E-2-L-M-A-N. Ok, pas de soucis, on va faire ça. Merci beaucoup, capitaine. Elle est dangereuse ou c'est juste... Elle a donné des coups de batte de baseball sur un patient, donc effectivement... Ok, elle est dangereuse, parfait. C'est peut-être dangereux. Ok, on va faire ça. Merci. Merci, bon courage. Nous avons une Lucie Hellman qui est en recherche. Si on la retrouve, on l'amène au médecin. Bien reçu, on a un descriptif de la personne. C'est une femme. D'accord, on a plus de détails sur le descriptif de la personne. C'est une femme. Bien reçu. Mon capitaine, c'est grand plaisir. Oui. Mon capitaine, monsieur, oui. J'ai besoin de vous parler en privé. Venez. On vient d'avoir des infos sur Lucie Hellman. Apparemment, okay. Il serait possible qu'elle ait changé de visage. Et le seul moyen qu'on aurait de la retrouver, ce serait d'aller voir les personnes qui l'auraient aidé à faire ça, à savoir les frères Kroot. Je les connais pas du tout. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Si ça me dit quelque chose. Je peux peut-être même toucher votre cœur. Ok, bah voilà, on avait ça, cette information de la part de la psychiatre, je crois, qui est venue nous voir après la messe. Avec plaisir. Bon, ok, bon, on va voir ça alors. Ok, parfait. Monsieur le capitaine Bill Boyd. Oui, c'est moi, comment allez-vous Oui, oui, c'est écrit à chaque fois votre nom et prénom. Je viens de vous signaler le vol d'un de mes camions. Encore? Mais c'est incroyable. Et qu'est-ce que vous faites exprès de vous faire voler là? Mais non, mais même pas en plus. J'avais laissé. Rappelez-vous quand j'ai passé mon permis d'hélicoptère. Oui. J'avais laissé, j'étais venu à l'héliport avec mon camion. Et là je suis revenu pour récupérer mon camion a complètement disparu. C'est tout là. Je cherche même pas spécialement. Bah je suis à l'héliport. Ok bah j'arrive. Vous avez un véhicule ou pas? Oui j'ai une voiture mais bon. Bah j'arrive, je vous amène à autre part, je pense savoir où il est. Ok merci. Voilà, c'est capitaine. Votre voiture monsieur? Capitaine oui. Oui c'est votre voiture? Bah, c'est une voiture que j'ai empruntée oui. Comment? C'est une voiture qui était sur mon domaine et que j'ai empruntée oui. Bah ça c'est un vol de véhicule monsieur. Ah bon? Bah oui. Bah, j'ai juste eu un accident avec, je ne sais pas quoi vous dire, excusez-moi. Ah montez, je vous amène... Vous ne savez pas tout ça, vous savez, il n'y a pas plus honnête que moi, monsieur, dans cette ville. Y a pas de soucis, je vous mettrai juste une amende, ne vous inquiétez pas. Pas trop cher, j'espère. Ah non, juste 100 000 dollars, ça. Oh non, monsieur, je n'ai pas les moyens de payer ça. Non, vous inquiétez pas. Attendez, vous avez votre permis? Oui, j'ai mon permis. De voiture? Oui, bien sûr. Et de camion? Non, ça c'est Fabien qui l'a. Ok, ah, ça c'est intelligent, ça. Oui, bien sûr, on se sépare, les tâches. Allez, tenez, payez ça, là. 4500. Bon, écoutez, c'est bien parce que c'est vous, hein. C'est juste que je fais mon boulot. La prochaine fois, faites appeler quelqu'un, un taxi, ou un ami, ou un collègue. Bah, j'ai fait ça parce que je me suis dit que... Mon camion a disparu, du coup, j'appelle mon ami de la police, quoi. Ok. Bon, non, mais c'est bien, c'est ce qu'il va le faire. Regardez-moi à l'intérieur du garage, ici. Vous avez combien? Vous avez des camions ou pas? Oui. Vous en avez combien? Ah, mais maintenant, j'en ai plein, maintenant. C'est normal. Quand je suis sur mon domaine, j'en ai qu'un seul. C'est normal, là, ici, c'est le garage public, ici. Alors, je vous explique. Des fois, les camions... Pourquoi ils sont ici, mes camions? Et parce que vos employés sont cons. Au lieu oui. Oui, voilà. Au lieu de les mettre dans votre garage, ils les laissent dans la rue. Et donc, il y a les dépanneurs qui les mettent ici. Ah, hein. Oh, mais c'est pas vrai. Bah, moi, au moins, maintenant, vous avez les camions ici, bah, vous pouvez les prendre. Et, merci. N'hésitez pas aussi à appeler vos hommes pour prendre les autres camions, ou sinon, vous faites des allers-retours, quoi. Merci beaucoup. Pas de soucis. Bon, allez, bah, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, capitaine. Fais-moi le plaisir de prendre un camion. Fais-moi le plaisir de prendre un camion. Fais-moi le plaisir de prendre un camion, mon psy. Il a pris le camion. Le camion est pris. Fais-moi le plaisir de rouler, s'il te plaît. Ah, il roule. Regardez-moi ça. Vous appelez, mais je viens me faire arrêter par les flics, je vous rappelle. Oui, suivez-moi. Pardon, capitaine. Oui, dites-moi, monsieur. Vous m'avez tamponné le cul, là. Bah oui, excusez-moi. Pas de soucis. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Je suis en train de faire une petite bêtise, j'ai l'impression, hein. Oui, bah vous avez pas de permis de camion, non? Bah non, mais vous m'avez piégé, bravo. Écoutez, il faut bien que je rapporte mon camion chez moi, c'est pour pouvoir gagner ma vie, monsieur. Mais je veux bien payer une amende, écoutez, voilà. Bah, je vous mets l'amende et je vous laisse appeler bien sûr vos amis qui ramènent tout ça là. Allez. J'en ai plein. Allez, tenez. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à passer le permis camion. Je n'hésiterai pas un seul instant, hein.
Écoutez, moi, je vais... en attendant, je vais rentrer à pied chez moi. Hein. Et le camion, alors? Bah, le camion, j'irai le récupérer plus tard. Je pense que mon ami n'est pas... est en train de faire une sieste, donc... Écoutez... Bon, vous savez quoi? Non, 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 écoutez, je veux rester dans la légalité. J'ai un énorme respect pour la fonction policière. Non, non, mais vous savez quoi? Mettez votre camion chez vous, comme ça vous avez un camion de plus, mais vous prenez plus le camion après, d'accord? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Allez-y. Okay. Merci beaucoup. Capitaine, est-ce qu'on peut avoir une unité qui reste sur la gestion? Il a vraiment un bain de camion. Oui, en parlant business, messieurs, oui. J'ai du coup notre camion. Est-ce que vous avez l'argent? Oui, Miguel, t'as combien pour toi? Et... Ouh, il y a 16 caisses d'armement. Une bière sans alcool, des chargeurs de 7.62, 8 chargeurs de 9 mm, une GPS. KD Panis, on a terminé l'enquête tournesol Traoul. Il faudra d'ailleurs qu'on rééchange là-dessus pour surveiller certaines relations fréquentation. Je vous ai envoyé une photo pour une relation bizarre entre les Vagos et certaines personnes. C'est bien reçu, capitaine. Oui, bonsoir. Oui, capitaine, c'est Lenny. Dites-moi, vous avez fait quoi? Vous avez fait une explosion là, à la plage, non? Hmm? Tu t'aurais pas utilisé un bazooka, dites-moi? Non. Mm-hmm, d'accord, hein. Un Vespucci Beach, hein. Non. Ok. Comment tout c'est? J'ai les yeux partout, hein. Les yeux partout? Ouais. Et vous avez fait exploser quoi? Rien du tout. Ah ouais? Oh, c'est un fusion mousse là! Du bateau soviétique! Oui, oui. Boum. J'essaie de chercher parce que je vois pas qu'est-ce que vous avez fait exploser. Bah rien du tout. Ah ouais? Ça a pas fait boum! Bateau soviétique! Ah ok, putain, ok, d'accord, ok. Bateau soviétique, ça fait shit, feu d'artifice! Ok, ok. Rien d'accord. De pété du tout. Ouais, parce qu'il était beau votre bazooka sur votre dos. Si. Allez, bonne soirée. Si. Je crois comprendre que les policiers ont une conduite un petit peu... agressive. Un petit peu abrupte. Oui, là, agressive. Là, c'est la fin de soirée. Vous savez, ouais. En plus, surtout que j'ai pas envie de vous faire attendre, mon père. Et je sais qu'avec vous, il m'arrivera rien. Je ne pourrai pas mourir puisque j'ai votre exact. Grâce douce sur ma tête. Il y a la bénédiction de Dieu sur ce véhicule. Exactement. Donc, j'ai même les yeux fermés. Ah, mais vous savez que... Alors, je ne vous recommande pas d'essayer. On pourrait même rouler sans les mains. Ah, ok. Je vais essayer. Et comment je tourne? Par la pensée, mon fils. J'en suis pas là. Hein. Avec ouais. La foi. Oh. Ouais, non, ouais. C'est peut-être pas encore la foi. Écoutez, je pense que vous avez manqué encore un petit peu de foi, mais assistez à quelques-unes de mes messes et vous pourrez réellement, avec la foi, exercer tous vos vœux. Okay. Vos vœux les plus fous, monsieur. À la prochaine fois, je le ferai. Parce que là, ouais, j'ai ralenti. J'ai préféré ralentir parce qu'à tout moment, le foie, vous savez, moi, je préfère plus la cuisse, quoi. Je peux comprendre. Ou le cul. Enfin, qu'on parle, le chien. C'est quoi cette histoire? Vous préférez le lieutenant que moi, c'est ça? Parce qu'il vous donne beaucoup de saucisses, c'est ça? Ne me dites pas qu'il vous donne sa saucisse aussi. Ok, j'ai eu peur. En le connaissant, des fois, sa saucisse, elle doit la mettre un peu n'importe où. Hein. Eh, ceinture! Ah, c'est pour ça. Sa voix, vous voulez que je change sa voix aussi? Eh, c'est... Non, attends, j'arriverai jamais. Eh, salut! Eh, je suis lieutenant! On va voir si ça marche. Lieutenant Cuc! Lieutenant? Oui? Lieutenant Cuc? Ah oui, c'est Lieutenant Cuc! Très bien, comment allez-vous? Ça s'est bien passé après-midi? Je vais faire fin de service! Bonne nuit à tous! Bonne soirée! Eh, je le fais bien, hein! Capitaine? Oui? Vous avez entendu le lieutenant ou pas? Non, je l'ai pas entendu. Ah, il est passé nous faire un petit coucou. Oh, trop gentil. Qu'est-ce qu'il est con. Bon, allez. Et en fait, pour faire la photo, il faut cliquer sur... Ah, j'ai une course poursuite. Ok. Vespucci Boulevard, direction Est. Ah. Il s'arrête. Ok, très bien. Oui. Oui, dites-moi. Capitaine, oui. Oui, dites-moi, qu'est-ce que vous faites avec cette voiture? C'est à vous? Vous êtes tout capitaine. La voiture que m'a prêté le docteur Maison après m'avoir réanimé. Ah, ok, venez alors, montez. Et du coup, pourquoi je dois vous suivre, mon cher capitaine? Vous voulez que je vous amène quelque part, peut-être? Ah, bah écoutez, moi je devais rentrer dans mes vignes, quoi. Ok, bah je vous amène.
Oh bah écoutez, vous êtes fort aimable. Bon, il y a encore une explosion encore en ville. Bon, je vous souhaite une bonne journée et faites attention à vous. Hein. Courage surtout, hein. J'ai un énorme respect pour la fonction policière. Hein. Bien sûr, j'ai un respect. Ouais, moi aussi. Allez, bonne soirée. Oh, ouais, au revoir. Et au revoir le chien. Non mais radio, non mais que radio, je m'énerve peut-être un peu trop. Hein. Oui. Non mais c'est encore vous, mais merde. Mettez-vous sur le côté là. Excusez-moi, je suis au téléphone, capitaine, j'arrive tout de suite. Ah ouais, vous êtes en contrôle de police surtout, monsieur. Vous êtes en contrôle de police, raccrochez s'il vous plaît, monsieur. Excusez-moi, faut que je raccroche. Pardon. Bon, monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête ? Bah non, pas tellement, qu'est-ce qui se passe ? Ah bah ça roule vite. Bah vous roulez super vite, vous savez que c'est 90 km/h. Je me suis pas fait flasher. Mais qu'est-ce que vous... Mais, attendez, mais vous croyez où dans un jeu vidéo, monsieur ? Bah pas du tout, je sais très bien que c'est la vraie vie. Bah voilà, et moi-même, je suis capitaine de la police. Regardez la caisse dans laquelle je roule. Oui. Est-ce que j'ai l'air d'être quelqu'un qui aime la vitesse ? Je n'ai pas fait attention, probablement parce que j'étais au téléphone, parce que je me faisais insulter par un docteur. Je vais à l'hôpital en plus de ça. Oh, okay. Voilà, bon, bah allez. Je vais... attention à vous, monsieur. Je vais faire une petite amende. Je vais vous mettre une petite amende. Allez, tenez. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Et ne me prenez pas non plus pour un con, monsieur Demont. D'accord ? Demont Azac, oui. Voilà, je prends jamais pour un con, j'ai un énorme respect pour la fonction policière. Ah, ok, d'accord, pas de soucis. Mais allez, bonne soirée. Bonne soirée à vous, messieurs. Roulez doucement. Alta Street. Attends, mais il y a un camion devant moi qui roule comme un... Ouais. Bah foutez-moi un tôle une bonne fois pour toutes. Et putain, mais vous... Il y a un acharnement quand même. Mais vous êtes sérieux ? Je rentrais chez moi. Pff, allez monter, je vous mets l'amende et je vous fais monter là, putain. Oh, mais c'est pas vrai, j'ai l'impression... Mais vous me suivez partout, capitaine. Y'a rien à voir, on était sur une autre affaire. Ah bah oui, bah comme par hasard. La ville est trop petite, on est dans un village. Bon, écoutez, je comprends. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Bah, vous prenez un camion, vous faites flasher avec un camion volé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Bah, je fais mon boulot. Bien sûr, je ne peux pas vous en vouloir. J'ai énormément de respect pour le personnel policier, bien sûr. Eh bah, ce que j'ai entendu, oui, bien sûr. Putain. Comment ça ? Bah, vous vous énervez alors que je fais que mon boulot. Attendez, c'est pas le chemin, mais yes, ok. Vous savez que va falloir que vous appreniez d'arrêter de suivre le GPS, hein. Parce que votre chemin, c'était des zigzags à tout va, c'était pendant une heure. Là, au moins, c'est okay. Plus une ligne droite, mon okay, cher. Très bien, je ne suis plus le GPS, hein, au jeu. C'est vous qui me l'avez dit. Mais, non, mais faut pas tout le temps. Il y a des moments où. Ah, d'accord. Oh c'est pas le chemin le plus court qui est le plus rapide. Quoi, à l'instinct. Non, non. Là, je connais la ville. C'est pas le chemin le plus court qui est le plus rapide, vous savez. Et vous savez, moi, la ville me connaît beaucoup maintenant, mais moi, je la connais si peu finalement. Et moi, ça fait pas si longtemps que je suis là, finalement. Ça fait que quelques jours, et je sais que mon nom est maintenant dans toutes les bouches de la ville pour chanter mes louanges, mais moi, je la connais si peu, vous savez. Ah, vous savez, il y a un jeu, mais je pense que vous êtes vraiment nul là-dessus, sur Internet, GeoGuessr, là. Vous savez, ce jeu, c'est un jeu qui est plutôt pas mal pour apprendre un peu la ville, vous voyez. Ah oui, je vois, ok. Eh bien écoutez, je tenterai, comme ça, si c'est un jeu, en plus on apprend en s'amusant. Exactement, ouais. En vous amusant. Pas, je suis sûr que c'est un jeu qui est très amusant et très peu emmerdant. Ah non, c'est complètement emmerdant, il n'y a pas de musique, c'est vraiment lent, enfin... Ah oui, c'est bien, ça m'en a tout l'air, effectivement, ça a l'air chiant comme la mort. Ouais, ceux qui jouent à ce jeu, c'est vraiment des pauvres cons. Bah, vous me proposez d'y jouer ? Comment vous me considérez, monsieur ? Alors c'est là-bas, à 2,35 km, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est ça, oui. Ouais. Vous allez recruter d'autres personnes pour essayer de vous faire gagner un peu d'argent ? Bah, tous les gens que je recrute ne sont que des incapables. Je suis vraiment un de ceux qui donne le plus de sa chance au rebut de la société. On a Roy Marx qui fait un album de rap bidesque. On a c'est les Croûtes. Pas la peine de vous les présenter. Oui, c'est vraiment, vous avez vraiment pas de chance. Hein. On s'en parle à l'amende. Ouais. Oula, c'est très très cher, monsieur. Mais ça me désole, je vous le dis, ça me désole de... Je vous apprécie énormément. Bah, je sais pas. Hein. Mais qui est cette personne en voiture là-bas ? Je ne sais pas du tout, mais attendez, monsieur. J'attends aussi que vous me payiez la course aussi. Attendez, pardon ? Je vous ai pas demandé de me raccompagner, monsieur. Hein. Je serais allé à pied, hein. Je pensais que c'était obligatoire. Hein. Bah, oui, non, mais j'attends que vous me payiez. Ah, écoutez, je vais pas le faire, monsieur Boyd, capitaine. Ah, non, j'ai payé l'amende à la municipalité, j'ai fait mon dû à la ville. Voilà quoi. Non, mais attendez, savez-vous comment remercier un service ? C'est du racket ce que vous êtes en train de faire, capitaine Boyd. Non, on vous a pas élevé, vous Bien sûr que si, mais sauf que le service, je l'ai pas demandé.
Mais non, mais on vous la fait. Vous faites vraiment l'attitude du gars qui vient nettoyer votre fenêtre pendant que vous êtes à un feu rouge et qui vous demande de l'argent ensuite pour avoir nettoyé la fenêtre. Non, rien à voir. Vous avez rien demandé, quoi. Je vous demande pas de l'argent, là. Vous voulez quoi? Vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un café? Non. Vous donner un café, non, non, toujours pas. Vous voulez que je vous suce? Non plus. Bon, ça me démangerait pas du tout, mais non plus. Oui, bah moi ça me dérangerait un petit peu. Bah je ne sais pas, écoutez. Ça commence par un M, et ça se finit par un I. M et un I. Ça commence par un M et ça termine par un I. Mais je ne sais pas, moi, un martini. Non, non. Ça commence par un M et le deuxième lettre c'est un E. Ah! Merci beaucoup, monsieur l'agent. Pas de souci, monsieur. Bon courage, hein. Oui, bonne soirée, hein, monsieur. Bonne soirée à vous. C'est ça, ouais. Figure-toi, j'attendais, je vois le radar qui scanne, une voiture, un truc volé, il passe devant moi, il roule comme un sac, je m'arrête, devine qui je tombe. D'accord. Ouais, d'accord, non, bah il s'appelle pas d'accord. Le don de mes couilles, là. D'accord, ouais. Celui qui est là, ça fait trois fois que je lui mets des amendes, et j'ai dit bon, je vais être gentil avec lui, je vais le ramener, parce qu'il a l'air d'être un peu perdu, il en avait marre de tout. Donc je le ramène, je le ramène chez lui, et donc je le fais l'amende, et je lui dis, bah j'attends. J'ai eu de quoi? Bah j'attends ce que vous me devez pour la course, quoi. Mais de quoi vous parlez, quoi? Vous êtes fou, je vous ai plus jamais demandé, blablabla. Bon, à lui, hein, vraiment, quand tu lui dis argent, c'est un syndon. En fait, je lui ai essayé d'expliquer, je l'ai un peu éduqué, lui, le pauvre con. Red Belbet, là, les deux zigotons? Mais non, le vigneron. Oui, le vigneron. Il est con ou quoi? Mais je le connais pas, le vigneron, moi. C'est qui, le vigneron? Ah, c'est un con, c'est le patron du vigneron, en haut, là. D'accord. Don de Marcello, qui, là. Et on l'a croisé ce soir? Non, on l'a pas croisé, mais je t'explique. Ok, d'accord. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Bah, je lui dis tout ça, et en fait, je l'ai élevé parce qu'il savait pas dire merci. Et le mec disait, il pensait que je voulais de l'argent, alors que j'en ai rien à foutre de l'argent. D'accord, ouais. Et il voulait quoi exactement? Non, mais tu comprends l'histoire que je te raconte? Qu'est-ce qu'il veut? Sors de là, cadet. Sors de là. Je vous écoute. Sors de là et courez jusqu'au commissariat. Je vous attends au commissariat, putain de merde. Allez, j'en arrive maintenant. Allez, gentil, je vous attends au Vespucci Boulevard Power Street. Merci, capitaine. Plein de couilles, toi. Racontez-moi l'histoire, j'écoute. Alors, je répète. Je vais tout comprendre. Ok. Il dit quoi? Non mais vous êtes incroyable, je vous ai jamais demandé de service. Il dit bah non mais je vous ai rendu au service. Mais quand quelqu'un vous rend service, vous faites quoi? Oui, on rend l'appareil. Non, on rend pas l'appareil, mais vous êtes con vous aussi. Mais je suis pas con, quand quelqu'un vous donne un service, on renvoie l'appareil, c'est la moindre des choses. Par exemple, capitaine, je vous... Putain, qu'est-ce qu'il veut lui là? Défaussez le capitaine. Donc non, mais non, quand vous rendez un service, soyez pas putain comme ça. Vous demandez pas un autre service ou un autre chose. Mais par exemple, moi je vous offre, je vous fais un service, une petite faveur. Ah, je vous dis merci et ferme ta gueule! Ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani.